59% des élèves d'école secondaire disent qu'ils porteraient une arme s'ils en avaient une. Un élève sur quatre apporte une arme au lycée au moins une fois par mois. Il y a eu plus de morts par balle aux États-Unis en 2 ans que pendant la guerre du Vietnam. Monsieur Park. Monsieur Park. Pardon. Tu en es avec tes devoirs, mon grand. Je déteste les maths. On déteste tous les maths jusqu'au jour où on en a besoin. Moi, j'en aurais jamais besoin. Enfin, pas tant que j'aurais ça. Mais laisse, papa. Même le prof, il s'en sert. Je veux pas le savoir. T'es né avec un cerveau que tu dois utiliser, pas avec des boutons qui font bip. Et puis surtout, j'espère que tu vas être plus futé que ton prof. Allez, finis tes devoirs, le dîner sera prêt dans 2 minutes. Peut-être qu'il essaie de t'appeler, ou bien peut-être qu'il a mal raccroché, Tibet. Il n'y a pas écrit de débile sur mon front. Hé, hey, bonhomme, regarde. Alors, quoi de neuf? Rien de génial à part que c'est pas ton quartier, mon pote. Ouais, mais on fait que passer. On voulait voir à quoi ressemblait un quartier de pauvres. J'aurais pu l'allumer, moi. On a le temps, petit, ça viendra. T'oublies pas de faire la vaisselle et tu gardes bien cette porte fermée. Tu as entendu? Ouais, j'ai entendu. Je reviendrai vers 6 heures. Ne vous inquiétez pas, tout le monde aura une photo. Il faudra que je t'appelle Monsieur Park, si j'ai bien compris. Terminé, le petit frangin? Et ça, c'est pas grâce à toi. Alors, t'as oublié l'alliance? Là-bas. Tu la connais? Non, non, mais elle m'intéresse beaucoup. Elle n'a pas l'air complètement fascinée. Où vas-tu? Je te retrouve à la réception. Hé, hey, Sly, va nous chercher 6 blondes, vite fait. D'accord. Et grouille. Du lait pour Tarzan. Comment tu peux te laisser parler comme ça, hein? Hein? Comment tu peux te laisser parler comme ça? Faut te défendre, mon vieux, faut répondre. J'aimerais qu'on passe au magasin de mon oncle pour prendre un cadeau pour la réception, tu comprends? Je regrette. Vous êtes trop jeune, je suis navré. Si on me surprend, je perds ma licence. Mais qui est-ce qui peut vous surprendre sans blague, c'est 6 boîtes, c'est tout, c'est pas le bout du monde.
vous m'attendez, j'en ai pour une minute, c'est tout. Oh, là-bas, regarde, ils vont se marier, les citrons ou quoi? Je reviens. Je regrette. Sans licence, je ferme. Allez, laisse tomber. Ça alors, ce que t'es élégant. Comment c'était la cérémonie? Parfaite. Ah, c'était parfait. Oh, t'as vu, elle te regarde pas. Peut-être qu'elle aime pas ta tête. Ouais, on dirait. Je me demande si elle est arrivée sur un radeau, cette petite. Elle est entrée illégalement. On peut le vérifier sans problème. Ouais. On va le savoir. Ça va, le citron? Hé, regarde-moi. J'ai dit, regarde-moi. T'as un passeport, dis. T'as débarqué illégalement dans le pays. T'as quoi là-dedans? Tu te balades sans passeport? J'ai dit, regarde-moi! Arrête de pleurnicher! Tu me tapes sur le nerf! Hé, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a, oh? Je fais le boulot des types de l'immigration. Hé, elles sont où les bières? Mais il a pas voulu m'en donner. Quoi? Comment ça, il a pas voulu? Mais il a dit que j'étais trop jeune. Tu vas y retourner et en rapporter? Non, je peux pas. Démolis tout dedans! Dis à tous tes amis qu'on viendra vous rejoindre en fin de journée. On fermera plus tôt. D'accord, Taicho? Ouais. Et on se verra ce soir, alors. Allez, je me sauve. Au revoir. Tu sais rien faire ou quoi? Rapporte-moi ces bières. Hé! Hé, laissez-la! Tommy! Qu'est-ce que tu veux faire? Hein? Là, c'est fini pour toi. Oh. Attends, attends! Ça, tu vas le regretter! Non! Non, non, arrête ça! Ça vaut pas le coup! Attention! Descends-le! Descends-le! Excusez-moi. Ouais, d'accord. Mais moi, je le connais. Il faut absolument y être à 6 heures. Le juge a été très clair à ce sujet et ce sera le seul moyen d'arriver à une solution. Pas mal. Juste une heure de retard. Ça me fait pas rire. Il a fallu que je fasse un saut à l'aéroport pour chercher mon fils. 7 jours avec son père, c'est vraiment sa limite. Oh, 7 jours avec son père, c'est à peu près tout ce que tu as pu tenir toi aussi. Mais on est d'humeur très badine ce matin. Michel, tout ça c'est les nouveaux? Oui, on dirait que c'était la pleine lune ce week-end. Archer a demandé après toi ce matin. Oh non, s'il croit que je vais faire une autre réunion ce matin, il est cinglé. On était d'accord pour que je prenne en charge les nouveaux une seule fois par mois. Oui, mais... Quoi? Écoute, je ne veux pas me mêler de ça. Il t'expliquera lui-même. Merci. Ça, je m'en souviendrai.
Je vais le confier à quelqu'un. C'est une histoire délicate. Et ça risque de tourner au vinaigre si ça n'est pas bien mené. Si votre enquête n'apporte pas d'éléments nouveaux, les aveux restent toujours valables. Oh. Archer, on était d'accord. Les réunions avec les nouveaux... Asseyez-vous. J'en ai assez. Vous avez entendu parler du meurtre du marché coréen, les témoins des mariés, le petit vieux? Oui, c'est arrivé samedi, d'après ce que j'ai lu. Non, ben c'est pour vous. Otis Patterson, à peine âgé de 17 ans. Passez-moi Zabrinsky à Cook. Qui ça? Zabrinsky, avec un Z. Oui, monsieur. Non. Non. Carole, je vais vous expliquer. Expliquer quoi? Le fait que les victimes soient des Coréens, le suspect est un jeune noir, et moi, le substitut du procureur, je suis coréenne, tout ça c'est une coïncidence. Vous oubliez le fait le plus important, vous êtes mon meilleur élément, qu'il soit blanc, noir, vert ou bleu. Je crois que j'apprécierais beaucoup la flatterie si vous n'étiez pas aussi désespéré. Sans moi. Vous m'excuserez, c'est déjà décidé. L'accusé a signé des aveux, c'est une affaire prête à être classée. Alors pourquoi vous avez besoin de moi? Il y a un grand nombre de substituts dans ce bureau assez qualifiés pour s'occuper de l'affaire. Je sais qui est assez qualifié, merci. Je pense avoir engagé la majorité d'entre eux, dont vous. Alors faites donc votre travail et laissez les sociologues s'occuper des problèmes sociaux, vous voulez bien? Et puis on a besoin de vous pour approcher les témoins. Vous savez que la communauté asiatique est traditionnellement soupçonneuse et guère coopérative, et j'espère que vous allez pouvoir nous aider. Ah, dites, je ne suis pas inspecteur de police. Mais personne ne vous demande d'enquêter. Vous discutez avec les témoins et vous récoltez des preuves. Carole, c'est très important, et je n'ai pas à vous rappeler la tension qui existe entre les communautés noires et coréennes et que tout peut exploser un jour. Mon coréen est loin d'être parfait, je vous le rappelle. Oui, mais il est sûrement meilleur que le mien. Tenez-moi informé. Ken! Dis donc, il paraît qu'on a amputé le budget. Non, ce n'est pas ce qui était convenu. J'ai payé pour savoir. Ce n'est pas moi qui ai signé les aveux. Vous savez très bien pourquoi. Ouais, mon bonhomme, allez, vas-y, tape, tape. Allez. Je voudrais que vous compreniez tous que cette trêve existe. Alors, si un débile veut envisager de la rompre, il m'appelle moi, avant. Excuse-moi, mais nous, on n'arrête pas. On continue à se battre. Non, pas nous, vieux. Les flics sont au courant. Ce sont seulement des Portoricains, des jeunes blancs et des Cambodgiens. Ouais, bien, ce sont certainement pas les Cambodgiens qui vont arriver à les virer du quartier, je te le dis. On les chassera à coups de pied, nous, les Coréens. C'est pour ça que je vous ai demandé de venir ici. J'aime pas qu'on me fasse un numéro bidon comme ce nul. Cette histoire m'ennuie beaucoup. Ils l'ont embarqué, alors le boulot vient de vous. Chouette. Trêve ou pas trêve, mec, ces pauvres citrons ont mérité la leur. Non, je ne suis pas du tout d'accord. Ou tu m'as pas écouté? J'ai donné ma parole que la trêve serait respectée. Alors, si vous voulez jouer les Al Capone du pauvre, ça pourrait tout compliquer. Vous comprenez ce que je dis? Ouais, d'accord, c'est clair. Alors, qui a fait le coup? Ben, on l'a tous fait. Trois de moins, et alors? Eh, où est le drame? C'était juste des Coréens. Tu pourrais rejoindre les Coréens dans une seconde. J'en ai rien à faire, moi, des Coréens.
mais je tiens au respect de ma parole. Est-ce qu'il faut que je te le répète? Non. T'affole pas, petit. C'est réglé. Oh, ça y est, c'est reparti. Tu me fais le coup de « j'ai que 12 ans, mais je suis déjà un homme ». L'école est à 600 mètres à peine et tu veux me déposer tous les jours comme si j'étais encore à la petite école. Bon, qu'est-ce que tu dirais si je te laissais te réveiller le matin quand tu veux, faire ton petit déjeuner, partir à l'école à pied, rentrer à pied, faire tes devoirs quand tu veux, faire tout seul ton dîner et aller te coucher après minuit. Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, ce serait génial. Rêve pas, petit. Nous avons appris la confirmation de l'arrestation d'un adolescent de 17 ans par la police en fin de matinée. Il a été accusé d'avoir assassiné un jeune couple américano-coréen samedi après-midi dans Central Avenue. Une troisième victime, Soon Park, propriétaire d'une épicerie, a lui aussi été blessé gravement lors de la fusillade et il est pour l'instant dans un état très critique. Les médecins... Attends, mais ça... Mais c'était le journal. Une douzaine de villes pansent encore leurs blessures dues aux manifestations qui ont suivi le procès de Rodney King à Los Angeles. Cette affaire est suivie attentivement par les membres des communautés coréennes et noires de tout le pays. En fait... Qu'est-ce qu'il y a? C'est mon dossier. Celui-là? Depuis aujourd'hui. Chouette, faut coincer les négros. Faut coincer les négros? Ouais, ils les appellent comme ça à l'école. Ah. Ce sont les mêmes élèves qui t'ont traité de fifi sa maman. Je suppose que ça veut dire oui. Hein? S'ils sont rapides à appeler les petits noirs des négros, comment tu crois qu'ils t'appellent une fois que tu leur as tourné le dos? C'est toi, papa? Dis, t'as fini plus tôt? Sylvester? Sly? Sly? Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as à être silencieux comme ça? En général, t'arrêtes pas de bavasser comme une guenon. Où t'étais passé, dis? À droite, à gauche. Tu sais bien qu'avec les copains, on a une planque près du parc. Je me fais un peu d'argent juste pour pouvoir payer le loyer. Et tu travailles? Disons que je bricole comme je peux, ouais. Ah ouais? Y a pas de problème. C'est pas la drogue. Je fais ce que j'ai à faire, vu? Mais je touche pas à ça, moi. J'ai intérêt. Depuis que je me suis fait embarquer, je préfère laisser tomber. Est-ce que papa t'en parle encore? Non, il commence à se calmer. Bon. Mais t'as eu de la chance de pas être en prison.
Pourquoi, je devrais être en prison? Bah ouais, bien sûr. Mais quoi, t'es cinglé ou quoi? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, t'es complètement malade. Et d'abord, c'était mon premier délit, non? Hein? Et deuxièmement, j'étais mineur. Autrement dit, ce que je pouvais prendre, c'est 6 mois au maximum. Ouais. Réfléchis vite, hein. Super. Ah, d'accord, ça va, t'es Tarzan. Bravo. Oh. Je voudrais que tu reviennes à la maison. La vie était sympa, hein. Bah alors, pourquoi tu reviens pas? Daryl, t'oublies que papa m'a demandé de partir. Mais c'est pas bien pour toi d'être dans la rue. Je sais, t'as toujours raison. Mais écoute, je te parie que ça s'arrangerait si tu pouvais parler à papa. Non, ça risque pas. Il faut pas rêver, tu sais. Ça marche plus depuis longtemps entre lui et moi. Bon, faut que je parte. Sly. On reparlera de tout ça plus tard. Un de ces quatre petits frères. Bonjour, grand-mère. Bonjour, ma chérie. Je vais bien aujourd'hui. Mais où est Sun Chul? Oh, il est dans la voiture. Je vais le déposer à l'école. Tiens donc. Tiens. Aujourd'hui, tu te rappelles que tu as une famille? Papa, je suis complètement débordée. Ta grand-mère s'inquiète du matin au soir quand tu t'en vas de la maison. Oh, pardon. Faut m'excuser, grand-mère. Ils ont arrêté les tueurs? La police a un suspect, oui. Et ils vont le relâcher, le suspect? Il, ça va être moi. C'est mon dossier. Parfait. Nous allons gagner pour une fois. Ma fille travaille pour la police. Le procureur, voyons. Il faut les avoir, ces pourris de noirs. Il faut les faire plonger. Monsieur, mon travail, c'est de veiller à ce que le responsable de cette tuerie soit jugé et puni en conséquence. J'ai perdu le magasin. Ils ont tout pris, ils ont mis le feu. Je n'étais pas assuré. Aujourd'hui, ma famille attend le chèque du gouvernement pour manger. Il faut les faire payer. Bonjour, grand-père. Bonjour. Bonjour, mamie. Bonjour, Sun Chul, mon petit. Je vais à pied. Il faut le faire pour ton peuple. Il faut le faire pour Saigu. Il faut le faire pour Los Angeles, Brooklyn et pour tous les autres. Allez, viens, on peut y arriver pour le car. Viens nous voir plus souvent. Et si tu ne le fais pas pour moi, eh bien, tu pourrais au moins le faire pour ta grand-mère. Au revoir, grand-mère. Au revoir, ma petite chérie. Au revoir, papa. Young Cho a raison. Tu travailles pour le gouvernement et tu te dois de faire ça pour nous. Ouais, allez, vas-y, donc t'es pas de la main, la bonne façon. Excusez-moi, vous pouvez attendre une minute avant de nettoyer? Je travaille pour le procureur, merci. Hé, hey, les gars, on attend un peu. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas être en retard pour l'excursion. Je veux pas y aller. Quoi? Comment ça, tu veux pas y aller? Tu parles de cette excursion depuis un mois. J'ai pas le droit de changer d'avis? Non, c'est pas vrai, j'ai dépensé 8 dollars pour l'autobus. Pas question, allez, dépêche-toi de t'habiller. N'oublie pas de changer de sous-vêtements. Et dépêche-toi! Quelle est la différence entre un mouton noir et l'agneau du sacrifice? Je comprends pas. Normal, il n'y a aucune différence. On se connaît. Plus ou moins, le dossier Patterson, je suppose. Vous êtes... Glenn James. Ah, enchanté. Carole Rembrandt, substitut du procureur. Carole Lee Rembrandt, substitut du procureur. Monsieur James... Permettez-moi un conseil. Vous devriez étudier de très près votre dossier. Parce que l'homme que vous êtes sur le point d'envoyer dans le couloir de la mort a peut-être des défauts, mais il n'a pas tué une seule des victimes. Pourquoi vous vous intéressez à cet homme?
J'ai l'âme d'un berger. Je suppose que vous êtes son avocat. Son responsable de mise à l'épreuve. Oh, mais votre client a signé des aveux. Oui, bien sûr. On peut être amené à signer des documents qu'on ne devrait pas signer, comme des testaments, des actes de mariage, des marchés, des aveux, surtout quand il s'agit d'une situation particulière. Elle est particulière, cette situation, monsieur James. Condamné Otis Patterson ne guérira pas du tout les différentes blessures de cette communauté. Non, mais un homme qui a abattu deux innocents de sang-froid mérite le châtiment que le système a prévu, monsieur James. C'est tout à fait exact. Mais il faut le vrai coupable. Et Otis Patterson n'est pas le vrai coupable. Relisez le rapport de plus près, mademoiselle Lee. Bonjour, je m'appelle Carole Rembrandt, je travaille pour le bureau du procureur. Oui. Est-ce que je peux entrer? Merci. Baisse la musique. Mon fils est comme lui, il écoute la musique deux fois plus fort que la normale. Vous venez pour Sylvester? Oh, c'est lui, Sylvester? Lui, c'est Daryl, mon fils cadet. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai rien fait du tout! Non, non, monsieur... Crawford. Monsieur Crawford, je fais une enquête sur la fusillade qui a eu lieu devant le magasin. Mon fils n'a rien à voir dans cette histoire. Je suis d'accord, monsieur Crawford, mais... Il me semble qu'une fenêtre de l'appartement doit donner directement sur le magasin. Dans la chambre du petit, oui. Est-ce que je peux aller voir? Non, je n'ai pas le temps. Daryl, prépare-toi, on va arrêter l'autobus. J'en ai pour une minute, monsieur Crawford, c'est très important. Vous avez 3 minutes. Daryl? Daryl? Ouais. Viens là. Alors, Daryl, tu étais là le jour de la fusillade? Ouais. Tu as vu ou entendu quelque chose? Non. Tu en es sûr? Ouais, je suis sûr. S'il dit qu'il n'a rien vu, c'est que c'est vrai. Merci, monsieur Crawford, vous êtes très aimable. Tenez, voilà mon numéro de bureau et mon numéro personnel, au cas où. Ouais. Entendu. Vas-y, passe. Non, je suis dégoûté, il ne fait jamais la passe, jamais. Sly. Mais ça va pas, bonhomme. Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais très bien que t'as pas le droit. Et tu devrais être à l'école. Je suis pas allé. T'es complètement fou, papa va encore t'engueuler. Écoute, il faut qu'on se parle. Ça peut pas attendre. Non, c'est à propos de l'autre jour. Faut qu'on en parle tout de suite. Ouais, attention. Hey!
fait. Rentre à la maison tout de suite. Sly. J'ai dit rentre à la maison. Je ne veux pas que tu restes là. Rien de cassé? Non, ça va. Tout baigne? Ouais, ça va. Pas de bobo? Ouais, ça va. Génial. Ça va. Carole. Carole Rembrandt? Oui, c'est bien moi. Cap Chaud du Daily Press. Vous n'avez rien à dire sur la fusillade? Non, je suis désolée, je ne peux rien dire pour l'instant. Des problèmes? Non, je ne prévois pas de problème, cette affaire va... Et sur la réunion de la communauté asiatique? Mais je ne suis pas au courant d'une réunion dans une communauté concernant... Une seconde. Oui? J'ai quelqu'un de Canal 7 sur la 3. Je n'ai pas le temps de leur parler. Très bien, madame, je vais leur dire de rappeler. Allô? Allô, vous êtes là? Pardon, écoutez, je suis vraiment débordée pour l'instant. Bon, alors rappelez-moi plus tard. D'accord, j'irai. Poste central, j'écoute. Oui, détective Horry Train, s'il vous plaît. Une première étude balistique indique deux différents types de blessures sur la victime et il n'y a qu'un suspect arrêté. Vous savez, ces jeunes délinquants se promènent souvent avec deux armes. Mais quand vous avez arrêté Patterson, il n'était pas armé. On habite une grande métropole, il y a des millions de cachettes. Votre témoin, Madame Sujia Park? Non, notre témoin, Mademoiselle Rembrandt. Madame Park a fait deux dépositions différentes. La première, donnée tout de suite sur les lieux, est plutôt vague en ce qui concerne le nombre d'agresseurs. Cette femme a vu son mari, son neveu et une pauvre fille se faire abattre. Comment voulez-vous qu'elle réagisse? Après s'être calmée et avoir réfléchi, elle est sûre que c'est Patterson. C'est du béton. Vous pouvez me croire. C'est mon travail, n'est-ce pas? D'en faire du béton. Mademoiselle Rembrandt, nous sommes du même côté. Vous devriez être la première à en avoir conscience. Merci de m'avoir reçue. Vous pouvez me laisser sortir? Vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas. Vous devriez essayer ce sandwich. C'est les meilleures saucisses du quartier. Je plaisante pas. Mais vraiment, ce qu'on peut trouver de mieux. Il comporte 3 des 5 grands groupes. Des nitrates, du sodium, des phosphates. Merci, j'ai pas faim. Je suis passée pour vous poser quelques questions. Je vous écoute. Vous êtes bien responsable des mises à l'épreuve? Depuis trop longtemps. Otis Patterson est un de vos clients? Depuis 22 mois. Et qu'est-ce qu'il a fait? On dirait que vous me chauffez avant de me citer à la barre. Et si c'est le cas, vous pouvez faire une croix dessus parce que je ne mentirai jamais. En tout cas, pas comme vous le souhaitez. Non. Cette conversation est tout à fait officieuse. Tout était officieux. Un simple cambriolage. Il a été coincé chez un prêteur sur gage. Les cambrioleurs ne commettent pas de meurtre? Sûrement pas lui. Pas Otis. Je voudrais savoir, tous les responsables de mise à l'épreuve ont des diplômes en psychologie? Je viens de vous dire que je fais ce travail depuis des siècles. Et je dois avoir des fichiers qui concernent plus de 5000 adolescents. Faut que j'envoie 53 cette semaine. Plus de 20 d'entre eux ont moins de 16 ans et sont en prison pour meurtre longtemps avant d'être en âge de voter. Alors je crois très franchement que j'ai toutes les bases acceptables pour évaluer professionnellement mes protégés. Pardon, je ne voulais pas du tout... Me vexer? C'est drôle. C'est vraiment très drôle. Je ne savais pas que les Coréens avaient le sens de l'humour. Les Coréens ont aussi du caractère, monsieur James. Ils en ont assez d'être ignorés, humiliés sans pouvoir se défendre. Oui, ça veut dire que les minorités ethniques ont toutes leur croix à porter. Oui, bien sûr. Mais je refuse de vous aider à porter la vôtre, monsieur James. Vous avez peut-être pas tort. Tout à l'heure, vous avez dit que les aveux de votre client n'étaient pas valables. Vous pensez qu'on les lui a extorqués? Des policiers à qui on demande d'amener un suspect ont sûrement tendance à faire peur aux gens et Patterson a eu très peur. Et si c'est la vérité, son avocat doit avoir la possibilité. Comment ça, son avocat? Sur ce genre d'affaires?
Non, sans blague. Si on fait porter le chapeau à un type comme lui, tout le monde est content et peut dormir la conscience tranquille. Je vais chercher, je vais voir. Formidable. Et pendant ce temps-là, Soto va prendre l'air. Il retourne à Cuba. Carole, où on en est avec Patterson? L'audience est prévue demain matin, mais... Mais vous avez un problème? C'est possible. Vous avez ses aveux. Il y a un témoin oculaire, la femme du vieux qui a tout vu. Si on en croit sa déposition et le rapport de la police, Soja Park n'est pas sortie du magasin. Je suis allée voir sur place et il aurait été très difficile pour elle de voir ce qu'elle dit avoir vu alors que ça s'est passé au coin de la rue. Et ça veut dire quoi? Ça veut juste dire qu'il y a une possibilité de présomption de doute sur le fait qu'Otis Patterson soit l'assassin. Et Carole, on en a déjà parlé longtemps. Je sais. Vous savez aussi qu'on est assis sur un baril de poudre avec des mèches blanches, noires et jaunes qui sortent de partout et tout le monde cherche des allumettes. Un peu partout, les gens s'arment, comme s'il n'y avait plus d'avenir. Et ce sera vrai si on allume une des mèches. Alors vous me demandez de l'attaquer? Je vous demande de faire votre travail. Et il faut tout faire pour éviter que ça explose. Ça veut dire sacrifier la vie d'un innocent. Apportez-moi une preuve matérielle que Patterson n'est pas l'assassin et on parlera. Sinon, on part avec deux meurtres au premier degré et une tentative de meurtre. Et j'espère que la caution que vous demanderez sera conséquente. Tout le monde me fait un rapport pour vendredi fin de journée. Et que plaidez-vous, Monsieur Jones? Mon client plaide non coupable, Monsieur le juge. Madame Rembrandt, le ministère public souhaite-t-il une caution? Madame Rembrandt? Oui. Étant donné la monstruosité de ces assassinats commis de sang-froid et le fait que M. Patterson a toute sa famille hors de cet état, nous devons penser qu'il présente un risque de disparaître et demandons à ce qu'il soit incarcéré sans possibilité de caution. Monsieur Jones... Les charges retenues sont fantaisistes et mon client est tout à fait confiant. Il sera déclaré innocent. Il ne va donc pas disparaître. Ça n'est pas son intérêt. La défense demande que la caution n'excède pas 50 000 dollars. Et le fait de l'enfermer n'avancerait personne, à part le fait de pousser à des frais financiers pour la société comme pour sa famille. Vous faites des relances, Madame Rembrandt? 50 000 dollars, une fois, deux fois... C'est impossible, voyons. C'est inacceptable, madame le juge. Le ministère public s'en tient à sa requête initiale. Monsieur Patterson, la gravité de ces crimes pour lesquels vous êtes accusé ne me laisse pas d'autre choix que de suivre le ministère public. Vous ne pourrez donc pas être libéré sous caution. Vous serez retenu en détention jusqu'à votre procès dont la date sera fixée par le tribunal. Non, mais elle est tarée, là. Attendez, attendez, calmez-vous, faut pas s'énerver. Mais que je m'énerve pas. Mesdames et messieurs, l'audience est levée. Comment ça s'est passé? Exactement comme prévu. Pas de caution. Mais tout le monde ici pensait que ce serait pas facile. Tu me prends pour une dingue, toi aussi? Ah non, non, pas dingue. Mais parfois, je trouve que tu prends un peu trop de risques. Dis-moi franchement combien tu as attaqué de suspects que tu pensais peut-être innocents. Des tas. Mais ce n'est pas notre travail, arrête. Archer a raison. C'est la partie adverse qui est payée pour ça. À la seconde où on commence à douter de notre position, on a déjà perdu la bagarre. Oui. Mais alors, qu'est-ce que tu regardes? Ton fils? Eric? Oui, je peux te l'emprunter. La photo? Juste pour une journée. Bien sûr. Oh. Qu'est-ce que tu veux en faire? Je voudrais l'utiliser pour faire un essai. Je te promets que j'en prendrai soin. D'accord. Oh, oh là là, faut que j'y aille. Ils font une fête pour le départ en retraite de Bengart dans son tribunal. Tu ne viens pas? Non. Ah, bon.
Bonjour, je m'appelle Carole Rembrandt. Je travaille pour le procureur. Ils comprennent pas ce que vous dites. Enfin, pas grand-chose, du moins. Mon coréen n'est pas très bon. Vous pouvez peut-être leur expliquer qui je suis exactement. Nous savons qui vous êtes, Mademoiselle Lee. Vous êtes Soja Park. Je parle mal le coréen, vous comprenez ce que je dis? Un peu. Comment va votre mari? Ni mieux, ni pire. Ils l'ont mis en prison. Eh bien, je suis là pour en parler, Madame Park. On m'a dit qu'il était en prison. Un homme a été arrêté, oui. Mais j'ai besoin de savoir le nombre d'hommes que vous avez vus ce jour-là. Combien il y en avait? Je l'ai dit à la police. Oui, je sais. Madame Park, il faut me le répéter. Combien ils étaient? Un seulement. Je l'ai dit à la police. Vous voulez bien l'identifier une fois encore? C'est cet homme-là. Vous êtes absolument sûre, Madame Park? C'est très important. Vous êtes absolument sûre? Oui, j'en suis sûre, c'est cet homme-là. Je l'ai déjà dit. Pourquoi je recommence? Vous ne portez pas vos lunettes en permanence, je crois. Je les enlève quand elles me font mal. Merci, Madame Park. J'espère que votre mari se remettra vite. On ne doit pas sourire, ni baisser la tête, et ne rien dire, et les laisser se sauver. Oui, je comprends. Il faut faire tout ce que vous pouvez. Si vous refusez, qui le fera? Cette caméra fonctionnait le jour de la fusillade. Elle marche toujours? La cassette, vous l'avez? La police l'a emportée. Ah, merci, merci de m'avoir aidé comme ça. Je peux avoir mon dossier? Vous devriez savoir que je travaille pour le procureur. Ouais, on sait. C'est ça le problème. Qu'est-ce que vous voulez? Un petit dédommagement. Je regrette, mais je comprends pas. C'est pourtant simple. Vous allez condamner le petit. Qui? Ça commence par O. Qui? Donne-lui une correction. Otis Patterson, celui que vous avez envoyé en prison. Je sais très bien qu'il ne les a pas abattus. Il a passé la journée avec nous. Alors pourquoi vous n'allez pas le dire? Allez donc voir son avocat. Je ne veux pas parler à un avocat. En fait, j'en ai marre de parler avec vous. Est-ce que c'est clair? Ça va?
Ça va, je comprends tout. Mais je suppose que vous pensez tous que vous êtes plus nombreux, que vous pouvez tous tirer en même temps et que tout sera réglé. Je vais vous dire que vous vous trompez. Si je tire de cette distance, les deux tiers d'entre vous finiront contre le mur. Il en reste toujours un tiers, Zorro. T'es très fort en calcul, t'es allé à l'école le jour des maths? Je vais te dire un truc. Faut être clair. T'as pas de chance. Toi, tu feras partie des deux tiers qui exploseront contre le mur, tu vois le tableau? Tu dégages, et on disparaît. T'es pas le mari, toi. Alors on peut dire que rien ne s'est passé, d'accord? Vous avez intérêt à la laisser tranquille. Elle a bouclé Patterson, mec, et tout le monde sait que c'est pas lui. Ce n'est pas en la tuant que ça va sauver ton copain. Alors si tu utilisais tes méninges? En fait, vous êtes exactement comme les autres. Lesquels, les autres? Les blancs? Les jaunes, peut-être? Ou les avocats? Les indiens sauvages? Alors comme les quoi? Comme les autres, point final. Pas de baiser? Hein? Un héros qui vient sauver une héroïne a le droit à un baiser, non? C'est vrai. Et alors? Faut peut-être que je me jette dans votre lit? Non. Non, on n'est pas dans un film. Ça va? Oui. Je crois, oui. Il va falloir que je vous dépose. Oui, merci. Attention! Je te montre comment on fait un coup superbe si ça joue au bowling. Regarde bien, ça c'est la classe. Je sais, tu peux éclater de rire avec un score aussi minable. Allez, vas-y, fais mieux. Ouais, je sais. J'ai pas très envie de jouer en ce moment, c'est tout. Viens là. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Tu envoies 4 boules sur 5 dans la gouttière et tu dis qu'il y a rien. Ou tu es aveugle ou tu dis pas la vérité. On peut rentrer. Dans une minute, assieds-toi. La dame t'a demandé si tu avais vu quelque chose et tu as dit non. Ouais, je sais. Oui, et alors? Daryl, rien n'est plus important que la vérité. Alors si tu as vu quelque chose, ta responsabilité, c'est de le dire pour qu'on fasse ce qu'il y a à faire. L'homme qu'ils ont accusé d'avoir tué ces pauvres gens va probablement être condamné à mort. S'il a fait ce dont il est accusé, il faudra qu'il assume et qu'il affronte la justice. Mais si ce n'est pas lui et si tu sais que c'est pas lui, c'est toi qui devras assumer seul et toute ta vie cette horreur. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? C'est un peu comme si tu aidais à le tuer, c'est simple. Allez, on y va. C'est pas lui qui les a tués. Je sais pas qui c'est, mais je sais que c'est pas lui. Comment tu le sais? Parce que j'ai tout vu. Tu crois qu'il faut aller en parler? Oui, je crois. Ça. Mais au poste central, les inspecteurs en charge de l'enquête l'ont trouvé après que je leur ai rappelé qu'elle était en leur possession. Patterson serait sorti ici.
Madame Park porte des lunettes à double foyer. Et à en juger l'épaisseur de ses verres, elle ne s'en sert pas que pour lire. Et regardez. Là. Pas de lunettes. Patterson mesure plus d'1,80 m. Ce garçon-là fait bien 15 cm de moins. Et si ça ne suffit pas pour démontrer qu'on n'a pas de preuves, quand la défense apprendra que la cassette a été déplacée de façon providentielle, on se fera épingler pour dissimulation de preuves. Archer. Oui? Carole. Quand? Merci. Tycho Park est mort. Nous avons donc 3 meurtres maintenant. J'en reviens dans une seconde. Tu peux pas faire ça. Ah, la prochaine fois, ce sera moi. Comment tu vas, ça roule? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas possible. Qu'est-ce que tu racontes? On va le libérer? Ça dépend du procureur, c'est lui qui prend la décision. Mais toi, qu'est-ce que tu en dis? Je dis qu'il est innocent, je crois qu'il faut le libérer. Innocent? Est-ce que tu penses à Park et aux gamins et à la fille? Qui est-ce qui va les libérer, eux? Et qu'est-ce que tu fais de toute leur famille? Je ne sais pas ce qu'il faut leur dire, papa. Et je ne sais pas quoi te dire, à part que j'en ai plus qu'assez que toi, mon fils et toute la communauté coréenne essayent de se servir de moi pour se venger des Noirs, tu comprends? Tu es notre seule chance. Alors on est encore plus mal parti que je le pensais. Parce que quand la loi ne fonctionne pas pour tout le monde, elle ne fonctionne pour personne. Je suis ton père. Il faut que tu me parles avec respect. Alors, qu'est-ce qui va pas? J'ai vu le frère de ce débile de Sly hier soir, Daryl. Ben et alors? Je crois qu'il nous a vus. Tu crois qu'il a vu quoi? Je crois qu'il nous a vus quand on s'est payé les Coréens. Il habite dans le coin, mon vieux, près du magasin. Qu'est-ce qui se passe encore? Otis Patterson est dehors. Ils l'ont relâché ce matin. Dommage. Dommage pour toi. La police va chercher un autre suspect. Il se rapproche beaucoup trop de nous. Alors toi et tes copains, vous allez tous plonger, mais tout seul. T'as pas oublié ce que j'ai dit à propos de ta combine? Amène-toi. Où on va? On a un compte à régler. Salut. Papa est à la maison? Non, il travaille encore. Il y a du thé glacé dans le frigo. Merci, petit frère. Alors, quoi de neuf? Rien. Quoi rien? Comment ça? Ben rien. Pourtant, quand je t'ai vu, t'étais mort de peur et tu me disais qu'il fallait absolument qu'on se parle. Carole lit Rembrandt, substitut du procureur. Qu'est-ce que c'est que ça? La dame qui est passée, elle a posé des questions. La dame? Les questions? Tu te fous de moi ou quoi? Elle a posé des questions sur la fusillade. T'as tout vu, c'est ça? Tu étais dans la chambre devant la fenêtre, c'est ça, je parie. Je faisais mes devoirs et j'ai entendu les coups de fusil. J'arrive pas à croire que c'est ça, t'as tout vu, tu m'as vu, moi? Je lui ai pas dit à la dame, je te jure, j'ai rien dit. Écoute, écoute-moi bien. Si tu lui as dit quoi que ce soit, je te jure. Je lui ai rien. C'est promis. Tu déconnes, Daryl. Tu déconnes. T'imagines pas les problèmes que je vais avoir.
content de voir que vous avez pu passer entre les mailles de la sécurité. On célèbre quelque chose? Ouais, moi. Et je suppose qu'Otis fait la même chose. Pourquoi? Je ne comprends pas. Vous n'êtes pas au courant? De quoi? Otis Patterson est sorti de prison. Il est dehors? Depuis 6 heures ce matin. Et le numéro que vous avez fait à ce brave Archer s'est révélé très efficace. Alors, félicitations. C'est curieux, au nom d'un principe appelé justice, vous vous êtes débrouillé pour secouer la communauté des Coréens, la police municipale, le bureau du maire et qui sait qui d'autre encore. Merci, mais je me souviens de tout. Ouais, bon, comme vous voudrez. Je pensais pas que vous y arriveriez. Je vous assure que non. Je pensais même que je pourrais revoir Otis qu'après son exécution, que je le verrais sortir les pieds devant. Alors, si je peux faire quelque chose pour vous, faites-moi signe. Trouvez-moi le vrai coupable, ça m'arrangerait bien. Vous savez que vous êtes intéressante, Carole Rembrandt. Je vous avais mal jugée. J'ai fait une erreur, et je le reconnais avec plaisir. Je vous remercie pour ce que vous avez fait. C'était pas facile du tout. Je sais. Je sais même très bien. Ouais. Merci. Carole. Madame Rembrandt. C'est William Crawford, le père de Daryl. Bonjour. Il aimerait bien vous dire quelque chose. Bill Crawford. Glenn James. Bonjour. Bonjour. Et tu dois être Daryl. Bonjour. On y va. Il faut pas les lâcher. J'ai levé les yeux de mes devoirs quand ils sont arrivés. La musique était très très forte. Quand ils sont arrivés, alors il n'y avait pas qu'une seule personne dans la voiture. Non, il y en avait deux, je crois. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une autre voiture qui est arrivée. Vous savez, la voiture avec les Coréens. Le Coréen est descendu, il est entré dans le magasin. Et la fille est restée toute seule dans la voiture. Ils sont allés à la voiture et ils l'ont asticotée. Le Coréen est ressorti avec Monsieur Park derrière lui. Alors là, ils ont tiré sur Monsieur Park et après sur le Coréen. Et ils ont aussi tué la fille. Donc la première voiture s'est arrêtée en bas. Tu as dit qu'il y avait deux personnes à bord, mais l'une des deux est allée dans le magasin. Tu as dit qu'ils sont sortis de la voiture et ont asticoté la fille. Tu es sûr qu'il n'était que deux dans la voiture ou est-ce qu'il y en avait plus? Ils étaient plus nombreux, n'est-ce pas? Tu sais qui ils sont, n'est-ce pas? Daryl. Tiber et Puppette. Mais ça ne fait que deux, Daryl. Et il n'y avait pas quelqu'un d'autre? Je sais pas qui c'était, l'autre. Je l'avais jamais vu de ma vie. C'est celui qui est allé dans le magasin. Mais il n'a tiré sur personne, lui. Non, il n'a pas tiré. Qui est-ce qui a tiré? Tiber et Puppette. Alors que l'autre, il a tiré sur personne. Je crois même qu'il a essayé de les arrêter. Et tu es absolument sûr de ce que tu dis, Daryl? Oui. Merci. Ce que tu viens de faire est magnifique et nous sommes très fiers de toi. Tiber et Puppette. Vous les connaissez? Les dés qui roulent. Monsieur Crawford, vous avez un autre fils? Oui, c'est exact, Sylvester. Il nous a quittés il y a un bon mois déjà. Est-ce que Sylvester ne sort pas souvent avec les dés qui roulent? C'est pas du tout avec qui il peut sortir, ni ce qu'il fait.
Je ne peux rien vous dire d'autre. Alors, si vous voulez bien, il faut que je me prépare pour le travail. Merci encore d'avoir appelé. Je vous ferai signe dès qu'on les aura arrêtés et fixé le procès. Vous nous ferez signe? Pourquoi? Pour son témoignage. Vous comprenez qu'il sera obligé de répéter tout ce qu'il vient de me dire devant un tribunal. Non, non. Il ne répétera pas ce témoignage devant un tribunal. Écoutez, si vous êtes inquiet pour sa sécurité... Je suis inquiet. Ces fous nous feront exactement ce qu'ils ont fait aux Coréens. Non, pas si vous le placez sous notre protection. Écoutez-moi. J'ai fait mon devoir en autorisant mon fils à vous donner des informations, à vous de faire le vôtre. Croyez-moi, monsieur Crawford, je comprends votre inquiétude. Vous comprenez quoi? Dans quel ghetto avez-vous déjà été, madame Rembrandt? Vous avez des barreaux à vos fenêtres? Avez-vous à décider tous les mois si vous devez nourrir vos enfants ou payer votre loyer? Merci, monsieur Crawford. Merci. Le troisième voyou, c'est Sly, c'est bien ça. Si on n'a pas son témoignage, on n'a rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce? Tyrell Baines. Je parie qu'il y a Puppette. Vraiment de plus en plus jeune. Et de plus en plus dangereux. Si je suis pas revenu dans 5 minutes, prévenez la police. Sly? Ouvre la porte, Daryl. Bon sang, tu me l'ouvres, cette porte? T'affole pas, bonhomme. Je veux seulement te parler. Daryl. Ils viennent de filer. Où est Daryl? Je sais pas, restez ici. Daryl! C'est moi, Glenn James. Je suis avec madame Rembrandt. Bien, Daryl. Oui, Tyrell Baines, B-A-I-N-E-S. Et l'autre se fait appeler Puppet. Hein? Ils font partie des dés qui roulent. Vérifiez vos fiches sur Baines. Il se fait aussi appeler Tiber.
Non, j'ai quelqu'un du bureau du procureur. Elle est ici, elle veut que vous les arrêtiez le plus vite possible. Meurtre au premier degré, ça suffit? Et ils sont dangereux. Ouais. Ça y est, c'est parti. Il faut combien de temps à ton père pour rentrer? Je sais pas, peut-être 20 minutes. Ouais, c'est possible qu'il soit arrêté quelque part. Je crois que Daryl ne peut pas rester tout seul. Je vais l'emmener avec moi. Il y a de fortes chances pour que ton frère nous ait balancé, hein? Non, non, t'es malade, pas que... Arrête une seconde. Cette fille est sûrement pas allée le voir chez toi pour lui raconter une histoire. Je me demande ce que fera ton frère si jamais ton nom venait sur la table un jour. J'en sais rien. Pourquoi, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux m'étriper? Non. Je te trouve trop sympa. Et ça depuis toujours. Alors, comment elle s'appelle? C'est Carole Lee Rembrandt. Carole Lee Rembrandt. On téléphone. Daryl, Glenn, je vous présente mon fils, Gary. Salut, Gary. Bonsoir. Bon, je me sauve. Au revoir, Daryl, tout va s'arranger. Attendez, où vous allez? Eh, hey, pas de panique, tout va bien. Je paierai une fortune pour passer la soirée ici avec vous. Mais il faut que je trouve ton père. Et quand ce sera fait, je le ramènerai dans cette maison, d'accord? Super. Voilà le numéro de chez moi et celui de mon portable. Si vous avez des nouvelles de lui, prévenez-moi. Je vais faire un saut à son travail. Parfait. Salut les garçons. Alors, Daryl, tu as faim? Non. Enfin, un petit peu. D'accord, on va voir ce qu'il y a à manger. Je savais que tu serais par là. Tu as toujours bien aimé cet endroit. La première fois que je t'ai amené, tu étais en couche-culotte. Je t'ai appris à pêcher. À nager. T'es venu ici pour me parler de pêche? Je suis venu ici parce que je sais que tu as des problèmes. Et alors? Qu'est-ce que tu veux? La vérité. C'est toi qui as tué les Coréens? Excuse-moi, je comprends pas. Laisse tomber! Tu me touches pas! Ton autorité sur moi n'existe plus depuis que j'ai quitté la maison! Mon autorité sur toi existera jusqu'au premier qui mourra. C'est comme ça que ça marche entre père et fils. Je veux plus te voir! Si tu veux détruire ta vie, il faut pas entraîner ta famille dans ce naufrage. J'ai rien à voir là-dedans. Et Daryl, il avait pas à être à la fenêtre. Je sais que tu as quelque chose à voir là-dedans. Tu pousses le petit à mentir pour toi. Ouais. C'est normal quand on a des frères, non? Non, chez moi, ce ne l'est pas du tout. Toi, tout ce que tu sais faire, c'est de jouer de la gâchette dans les rues avec tes copains. Mais tu ne fais rien de génial à part te cacher derrière un gamin. Non, moi, je me cache derrière personne. Je ne te laisserai pas faire, Sylvester. Alors, ou tu te comportes en homme et tu décides d'aller te livrer. Quoi? Tu ferais ça à toi? C'est pas une bonne idée, papa. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux me tuer? Je dis que j'ai tué personne! T'as compris? J'ai pas tué ces types! Demande à Daryl, il a tout vu! Il te dira, il a vu ce qui s'est passé!
Je voudrais l'adresse et le numéro de téléphone de Carole Rembrandt. Lee Rembrandt. Et je sais pas comment ça s'écrit. Ouais, comme le peintre. D'accord. Et qu'est-ce que tu vas faire? Ce qui doit être fait. Oh, tu m'as battu! Ah ouais, c'est pas trop tôt. Allô? Bonsoir, c'est Bill Crawford. Monsieur Crawford. Mon fils est là? Oui, il est là avec nous. Il va bien? Oui, très bien. Parfait, je viens le chercher. Oui, j'habite au 237 Rockwell Avenue. J'arrive. D'accord, je le préviens. On vous attend. C'était mon père? Oui, il vient te chercher. Oh, dépêche-toi, on peut encore faire plusieurs parties avant. D'accord. Allô? Allô, ici la police. Je voudrais parler à Carole Lee Rembrandt, du bureau du procureur. Qui êtes-vous? La police, madame. Mais de quel poste téléphonez-vous? Du central. Bien, je vous rappelle tout de suite. Attendez, mon numéro c'est le 555... Non, ça va, j'ai le numéro. James. Oui, Glenn, c'est Carole. Monsieur Crawford a téléphoné, il vient chercher son fils. Parfait, tout va bien? Je sais pas trop, j'ai l'impression... On va faire un carton. Quand on veut. Couchez-vous! Ils ont appelé de leur voiture. Probablement pour vérifier que c'était vous. Monsieur Crawford, je suis désolée. Je croyais qu'il serait vraiment en sécurité avec nous. Vous l'avez retrouvé? Non. Ils ont utilisé des Uzi avec des 32. Et les voisins? On les interroge, mais pour l'instant, on dirait qu'ils n'ont rien vu du tout. Nos hommes sont déjà partis à leur recherche. Je ne crois pas qu'ils reviendront maintenant. Mais par simple précaution, on va poster une voiture dehors. Merci. Vous avez une idée de l'endroit où votre fils a pu aller, Monsieur Williams? Non, j'en sais rien. Chez nous, c'est le seul endroit qu'ils connaissent. Et il saurait y aller en partant d'ici? Pourquoi pas? Il sait où s'arrête l'autobus. On y va. Toi, Gary, tu vas chez grand-père. Prends tes affaires. Ça va aller, Carole? Vous êtes sûr? Oui. Bon, on y va. Thank you.
Sly, c'est toi? Sly! Sly! Daryl, appelle la police! Ça va, pas de panique! Débrouille-toi pour qu'il descende! Ça, pas question! Appelle la police, Daryl! Il n'a pas intérêt à le faire! Allez, amène-toi, Daryl! Non! Tu nous as donné un flic, mon gros, et ça, c'est impardonnable chez nous! Si tu touches à mon frère, je te jure, je te tue! T'es malade, on parle pas aux flics, t'entends? Tiber! Vas-y! Hé, où tu vas? Tu viens avec nous! Tu crois que tu peux t'en tirer sans histoire? Pas question! Ouvre-le! Dépêche-toi! Tu entres! Tu entres! Ah. Par là, quelque part. Amène-toi, Daryl! Non, reste tout seul! Et toi, Sly, t'es où? T'inquiète pas, pauvre Minus! Il restera là-dedans tant que tu te montreras pas! Laissez-le partir! Bien sûr! Mais quand on aura bavardé tous les deux! Je dirai rien sur ce que t'as fait avec Puppet, je te jure! Oui, ça, je le sais! Mais il faut que tu viennes me le dire en face, t'entends? Moi, je veux te voir! Mais laisse-le partir d'abord! Non, Daryl, te montre pas! La ferme! Mets le contact, toi, et sois prêt à partir, hein! Je sais pas trop si... Mets le contact! Dépêche-toi! Allez, grouille! Je suis là. Laisse-le partir. Je le ferai. Alors amène-toi d'abord. Je te vois pas, là. Hein? Non! Dégage de là, sauve-toi! J'ai dit la ferme! Je t'interdis de toucher! Non! Ah! 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 Ça va pas, Tiber? Qu'est-ce que tu fais? Alors tu viens ici! Non, n'y va pas, Daryl! Je viendrai que si tu promets de le laisser partir! C'est promis, t'es content? Daryl! Écoute-moi bien, Daryl! Il ment, il va me tuer, il va te tuer toi aussi! Appelle la police! J'ai dit la ferme, toi! Viens, Tiber, allez! Tout ce que je veux, c'est discuter! C'est tout! Entre nous, y a pas de problème! Faut pas l'écouter! Va-t'en! Je t'ai prévenu! Ça pue l'essence! Amène-toi, Daryl! Arrête de faire ce numéro! T'es fini, Tiber! La ferme! Non, Tiber! C'est fini! C'est fini pour toi, Tiber! J'ai dit, boucle-la! Non, Tiber! Pas la peine de compliquer la situation. Alors baisse cette arme. Il est dans le coffre, papa. Sly est dans le coffre. Et Puppet est dans la voiture. William! William! Ne faites pas ça. Il n'en vaut pas la peine. Ça ne changera rien du tout. Pensez à Daryl. Ça va aller. Là. 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 Allez, viens là, toi. La fenêtre de ta chambre donne sur la rue. C'est bien ça, Daryl. Ouais.
Tu veux nous raconter, avec tes mots, tout ce que tu as vu depuis ta fenêtre, ce fameux jour? J'ai vu deux voitures arriver. Dans la première, il y avait mon frère, Tibère, et aussi Pepette. Sly, mon frère, est descendu de la voiture et il est entré dans le magasin. Et les Coréens sont arrivés. Le Coréen est entré dans le magasin et la fille, elle est restée dans la voiture. Ils ont commencé à l'asticoter, Tibère surtout. Sly est ressorti, il a commencé à se disputer avec Tibère. C'était pour la fille, je crois. Et puis le Coréen est ressorti. Il s'est battu avec Tibère. Et un monsieur est sorti avec un pistolet. Pepette a tiré dessus. Il a tiré dessus trois fois. La fille a crié, pleuré. Et j'entendais pas, je voyais qu'elle criait. Et Tibère a tiré sur le garçon. Et Pepette a tiré sur la fille deux fois. Et ils sont montés dans la voiture, ils sont partis. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton frère Sylvester? Quand je l'ai vu, le soir des meurtres, j'ai décidé de tout raconter. Et quand ils l'ont appris, ils sont venus me chercher. Et Tibère a forcé Sly à monter dans le coffre. Pendant que Sly me disait de me sauver, Tibère a tiré sur la voiture, elle a explosé. Maintenant, mon frère est mort. Ils ont l'air de bien s'entendre. Oui, ça va. Surtout quand on a leur âge. Merci de l'avoir emmené pêcher. Où vous en êtes? On a eu ce qu'on voulait. Il faudra que Tibère vive jusqu'à 160 ans pour pouvoir ressortir dans une rue. Je vous ai jamais dit que j'avais vu Sylvester ici, ce soir-là. Je savais qu'il avait peur et qu'il avait besoin de moi. Il ne savait pas comment le demander. Et je ne savais pas comment m'y prendre. Il avait à peine 16 ans. J'ai pas pu le sauver. Ce Pepette était encore plus jeune que lui. Il ne se posait pas de questions, il tirait sans réfléchir. Tibère. Qui peut savoir? Allez, le poisson nous attend.